Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de quatrième année moyenne. Comme une autre proposition, bien sûr pour les élèves de quatrième année moyenne. Proposition numéro 3. Le texte, son titre, La pollution menace notre environnement chaque jour. Notre air se dégrade de plus en plus. Pour vivre, un être humain ou vivant a besoin de respirer. Or, l'air que nous respirons dans les villes ne cesse de se polluer. En effet, notre air s'appauvrit en oxygène et ceci peut engendrer des maladies respiratoires, pulmonaires et des troubles cardiaques. La pollution atmosphérique provient des fumées et des gaz nocifs qui s'échappent des usines et des moyens de transport. La pollution automobile est source d'inquiétude, surtout dans les villes où un grand nombre de piétons côtoient la circulation automobile intense. Le seul facteur d'équilibre, ce sont les plantes et les arbres qui se nourrissent de gaz carbonique et rendent l'oxygène. Extrait d'une encyclopédie. Question, choisis un titre pour ce texte. La Terre pour un environnement propre, la pollution de l'air. Deuxième question, ce texte est de type narratif, argumentatif, explicatif, descriptif. Troisième, souligne la bonne réponse. Pour améliorer la qualité de l'air, il faut A. construire des usines, B. planter et protéger les arbres, C. consommer plus d'électricité. Quatrième, complète le tableau suivant à partir du texte. Les causes de la pollution, les conséquences de la pollution. Cinq, relie l'adjectif au nom. عندنا الصفات نربط بين الصفة والاسم المناسب les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques. Les pronoms, les poumons, هنا عندنا les noms, les poumons, le cœur, la respiration. Sixième, relève dans le texte deux mots de la même famille. 7. Trouve dans le texte le synonyme du mot souligné. La pollution atmosphérique. La pollution de... Huitième. La pollution de l'atmosphère provient des fumées qui s'échappent des usines. Quelle est la nature de la proposition soulignée? Remplace la proposition soulignée par un mot équivalent qui veut dire la même chose. 9. L'homme est conscient des dangers. Il continue à polluer l'air qu'il respire. Exprime l'opposition avec les deux phrases. 10. Écris la phrase ci-dessous au futur simple. La pollution de l'air provient de gaz qui s'échappent des usines. 11. La pollution est source d'inquiétude, surtout dans la ville. Toutes les... Et vous complétez. Alors, on a la pollution, on a toutes les. La situation d'intégration, plusieurs types de pollution ont dégradé notre environnement. Écris un paragraphe de 8 à 9 lignes dans lequel tu expliques les causes et les conséquences de ce phénomène. Propose une solution pour améliorer la qualité de l'air à la fin de ton paragraphe, c'est-à-dire dans la conclusion.
Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.